Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo qui va vous tenir au courant de la croissance de mes petits poussins de Barbezieux qui ont 13 jours aujourd'hui, ils vont donc en avoir bientôt 2 semaines. Vous avez pu en voir un d'entre eux dans une précédente vidéo qui montrait l'éclosion. Les voilà, donc 13 jours après, qui ont bien grandi, bien profité. On voit qu'ils commencent à mettre leurs plumes, notamment sur les ailes et sur la queue. Ils sont bien nourris, je pense. Bon, je les ai dans une caisse en carton, c'est très rudimentaire. Bon, il n'y en a que trois, fallait s'adapter un petit peu sur du journal. Je leur laisse encore la lampe chauffante, mais pas juste au-dessus, bien décalée comme vous pouvez le voir pour pas qu'ils puissent non plus avoir trop chaud. Et ben, pour l'instant, je pense qu'il y aurait deux coqs et une poule. Donc, deux coqs, on peut voir le plus beau, donc ici, voilà. Qui est très joli, on peut voir déjà les caractéristiques de la race, des grandes pattes noires bien solides, des poussins qui sont très grands pour 15 jours, ils sont très très beaux. On voit que ça va donner de beaux coqs, des beaux géants de Barbezieux, qui seront, je l'espère, très fidèles dans leurs caractéristiques aux standards de la race, pour essayer de faire de la reproduction et de sélectionner les plus beaux d'entre eux. Et une petite poule qui est ici, c'est celle-ci. Et qui a quelques petits défauts, je pense, pour l'instant. Elle a déjà quelques plumes blanches sur le bout des ailes, donc c'est pas très réglementaire par rapport aux standards de la race, mais apparemment ça c'est arrivé à d'autres éleveurs et ça part pendant la croissance. Donc voilà, une petite vidéo pour vous tenir au courant. C'est tout ce que j'ai à dire sur les poussins. Le petit moment dédicace, un petit coucou à Requin Malin Sebadi. Je ne saurais trop vous recommander d'aller visiter un peu sa chaîne. Si vous avez envie de vous aérer l'esprit et de rigoler un petit peu, allez visiter sa chaîne qui s'appelle Requin Malin Sebadi, comme suit. Et puis, je pourrais vous conseiller aussi de visiter toutes les chaînes de mes autres abonnés YouTube, notamment Mister Farmer, Farmer Animal, Passy Animal, et j'en passe, que j'oublie, je les mettrai dans une autre vidéo pour ne pas les oublier, mais allez-y, il y a toujours des choses intéressantes à voir. Voilà, donc on se retrouvera dans quelques semaines pour une autre vidéo pour voir la suite de la croissance des petits géants de Barbezieux, et on verra d'ici là comment ils seront. À bientôt!